Elle le dit, Audrey. Premier encan, là, j'étais un peu partout, partout, partout. Deuxième encan, je suis organisée. Et Jean-Philippe Jacques, un de ses grands, 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 grands talents, c'est d'être structuré et organisé dans ce travail. Et oui, ça s'apprend. Rappelons-nous, OK? Faut que je change la façon que je pense pour changer la façon que je file. And when I feel good, je sais que je suis invincible. Encore, je reviens à nos top 3. Aucun d'eux faisait partie des probabilités. Ah, derrière quoi était, vous me comprenez, qui allait finir dans les top 3 en recrutement. Audrey, il n'y avait aucun signe qu'elle allait pouvoir revendre son 9 000, 10 000, et moi, je sais qu'elle va finir à plus de 15 000. It's a question of mindset. Maintenant, tu rajoutes à ça un peu de structure, ça va être incroyable. Alors, félicitations, Jean-Philippe Jacques, 5 ans avec nous, 118 000 de vente équipe immédiate, 163 000 de vente org, 92 recrues org, et ils vont nous démontrer comment s'organiser avec les postes. À toi, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, ça se peut que vous entendez du bruit autour de moi. Les chiens sont intenses ce soir, mais ils vont gérer. Ils devraient être quand même pas pire. Donc, Jean-Philippe, 32 ans, avec Jonathan depuis maintenant 12 ans, ancien enseignant au secondaire. Moi, j'ai vraiment commencé parce que en tant qu'enseignant suppléant, je me suis fait appeler seulement 10 fois dans ma première année de suppléance. Ça représentait une période de remplacement par mois. C'est pas ça qui mettait du pain sur la table. Donc, même si je cumulais 5 emplois, je n'arrivais pas. J'avais toujours des factures qui se ramassaient sur la carte de crédit. Étant quelqu'un d'ambitieux dans la vie, moi, mon rêve, c'était de devenir un directeur général d'une école secondaire, mais quand tu ne te fais pas appeler, ce rêve-là, il tombe un peu en poussière. Donc, j'ai vraiment commencé, moi, pour aller me chercher ce revenu d'appoint-là, pour enlever vraiment la pression qu'il y avait sur les épaules de mon conjoint, parce que c'est lui qui faisait plus d'argent à l'époque, vraiment pour pouvoir, en fait, payer toutes mes choses. Et aujourd'hui, on vit vraiment de cette belle qualité de vie-là. Je le fais à temps plein, parce que mon conjoint est dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, je peux complètement adapter mon horaire avec la sienne, et ça nous permet de prendre nos vacances quand on veut, de voyager quand on veut. Donc, vraiment, c'est un des beaux avantages. Et d'ici demain, je crois, peut-être même ce soir, minuit, on va agrandir l'organisation. Il manque 844 $ à Cynthia pour qu'elle devienne directrice de son équipe. Je suis tellement fière d'elle. Sa progression est incroyable en un an. Fait que c'est vraiment, vraiment très, 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 très beau. Donc, moi, ce soir, hey, bonhomme! Je suis là, en fait, pour vous parler vraiment de la grille horaire, vraiment de vos... OK, ce sera pas long. OK, je suis vraiment là pour vous parler de la grille horaire pour planifier votre groupe VIP. Donc, la planification d'un horaire de publication, quoi poster et comment développer cette habitude-là de prendre à poster tous les jours. Donc, pourquoi, premièrement, on veut poster 5 fois par jour, 8 fois par jour, 10 fois par jour, OK? Donc, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Première des choses, c'est qu'on veut créer l'habitude de publier tous les jours, OK? Parce que sur les réseaux sociaux, une des règles s'applique comme dans n'importe quoi, c'est la constance qui fait que tu vas gagner. Si tu es constant et que tu es là, en fait, tu es un petit devil, ça pas d'allure à soir. Donc, si tu es constant, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu vas être de plus en plus visible auprès de ta clientèle. Deuxièmement, c'est que tu veux développer tes habiletés à présenter la même chose de manière différente. Donc, oui, c'est sûr que si tu publies 5 fois par jour, 8 fois par jour, 10 fois par jour, à un moment donné, il y a des choses qui vont revenir. La brochure, elle a juste 14 produits. OK? Donc, c'est sûr et certain qu'il va se passer quelque chose, que ça va revenir. Troisième raison pour laquelle, en fait, tu veux publier plusieurs fois par jour, c'est d'utiliser ton imagination. Parce que plus tu l'utilises, plus tu vas voir que ça va devenir facile de créer des posts. Moins tu en fais, plus ça va être difficile de sortir quelque chose d'original, quelque chose de différent. Quatrième raison pourquoi, en fait, tu veux poster, c'est que tu veux avoir les yeux, tu veux attirer l'attention. Parce que si tu postes plusieurs fois par jour, à tous les jours, de manière différente, bien, aujourd'hui, là, c'est un combat. OK? Tout comme à la télévision avant, c'est un combat de la grille horaire. Qui va mettre le meilleur programme sur telle chaîne? C'est la même chose. It's the same game here, OK, sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, il faut comprendre ça.
La charte de travail. Donc, vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment inspiré. C'est dans une suite logique avec ce qu'on vous a présenté la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc, dans votre charte de travail, on parle de faire des publications. Donc, on a 4 types de publications. Des publications de type don, des publications de type recrutement, des publications de type vente et des publications de type invitation. Et le minimum requis pour dire que, OK, c'est sûr que là, ma business, je vais être vue, je vais pouvoir faire du temps par la suite, je vais pouvoir rentrer en communication, je vais avoir des yeux. On parle de 35 posts par semaine, d'où la raison de ma diapositive précédente que je disais 5 posts par jour, ça l'équivaut à 35. 56, ça l'équivaut à 8 posts par jour. Puis pour ceux-là qui se disent, moi, je suis un go-getter, va à 10. 10 posts par jour. C'est pour ça qu'on dit 5, 8 et 10. Je ne prendrai pas le temps de tout redéfinir chacun des posts. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma collègue Mélanie Marchand a fait une vidéo tout simplement incroyable que vous allez retrouver sur le site YouTube, donc dans la chaîne Université Tupperware, Les Diamants. Donc, elle prend le temps de définir tous les publications avec des exemples et elle passe à travers tous les éléments de la charte. Et d'ailleurs, même Stéphanie Talbot avait fait une formation un mardi matin. Donc, je ne veux pas reprendre ça. Moi, je veux vous apporter quelque chose de nouveau aujourd'hui. Voici la nouvelle grille qui va vous être proposée pour planifier votre semaine de réseaux sociaux. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une grille qui est vierge, puis il n'y a même pas d'heures, okay, qui sont définies. Pourquoi? Parce que ça va être à vous de déterminer vos heures, parce qu'on a toutes des horaires différentes, on a toutes des gens qui sont différents, on ne travaille tous pas à la même heure. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est être capable de déterminer ça va être quand les heures de nos 5 postes, de nos 8 postes ou de nos 10 postes par jour. Et pour être encore une fois en lien avec la charte qu'on vous a présentée, on a regroupé tous les types de publications. Est-ce qu'il y en existe d'autres? Probablement. Est-ce qu'on a mis tous ceux-là auxquels on a pensé? Oui, exactement. Donc, dans la section don, regardez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous avez 16 types de publications différents que vous pouvez faire dans la section don. Dans la section recrutement, vous en avez 6. Dans la section vente, vous en avez 6 aussi. Puis dans la section invitation, vous en avez 4. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ce fichier-là, non seulement il va être en PDF pour ceux qui veulent le faire imprimer puis travailler leur grille à la main, mais vous allez recevoir aussi la version Excel. Donc, vous allez pouvoir prendre une case puis faire copier, coller directement dans la case. Donc, les couleurs sont toutes différentes pour faire en sorte que ce soit visuel sur votre grille horaire. Pour avoir les explications de chacun des posts et certains exemples visuels, allez prendre le temps d'écouter la vidéo de Mélanie. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'on en a rajouté. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir compléter en vous montrant les exemples des types de posts que nous avons ajoutés. Alors, on y va, on commence à les découvrir. Un des thèmes qu'on a rajouté, qu'on n'avait même pas, qu'on a pensé, c'est un thème sur l'environnement. OK? Donc, je suis allée chercher le beau post de Debbie, en fait, qui raconte son histoire, tu sais, qui dit, elle, c'est quand la dentiste qui est venue, qui parlait de quand on se brossait les dents, de fermer la champlure durant le brochage pour être sûr de ne pas gaspiller. Elle a fait un lien avec le café, avec la nouvelle tasse éco. Wow, super beau post. Fait qu'un thème environnement, ça peut devenir quelque chose de récurrent dans vos posts que vous faites dans votre grille horaire. Ensuite, on continue. Prochain nouveau thème, les thèmes que j'appelle citations inspirantes. Les citations inspirantes, la seule chose que je peux vous dire sur ça, c'est sur un groupe privé, allez-y avec modération. Pourquoi? Parce que souvent, les citations inspirantes, c'est quelque chose que les gens aiment partager. Mais comme là, on est sur un groupe privé, ils ne pourront pas le partager. Ça va générer de l'interaction, ça va générer des réactions. Donc, c'est bien, mais allez-y avec tout simplement modération. Donc ici, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième, c'est aujourd'hui. Et tu sais, des fois, tu pourrais juste poster ça, puis ça serait correct. Moi, j'ai décidé d'ajouter un petit texte très simple au-dessus parce que ce qu'on veut, c'est que les gens accrochent sur la citation puis qu'ils voient qu'on est une communauté qui pense positif, que tu es positif dans ton groupe, que tu es là vraiment pour les inspirer. Prochain nouveau thème, des statistiques surprenantes. Okay? Donc, je suis allée sortir un post que j'ai fait cet été dans la période du blé d'Inde. Okay? Donc là, je disais, je ne sais pas pour vous, mais la saison du blé d'Inde est arrivée. Ça fait déjà... Ça va, bonhomme? OK. Donc, ça fait déjà plus de 3 semaines qu'on en a dans notre panier bio. J'ai l'impression que... Jean-Philippe, je sais plus. Oui. Ça m'est... Parce que je sais comment tu es toujours comme focussé tout ça, mais il faut juste que je vous explique. Moi, je le comprends. C'est un nouveau chiot. OK? Donc, il y a combien de semaines?
Je ne sais pas combien. 10 semaines. C'est ça. Et c'est le, je ne peux pas croire. Okay? Je veux juste vous expliquer toute la famille. Là. C'est horrible comment cette race de chien nous dérange. Moi, j'ai le privilège d'avoir ma fille, mais Jean-Philippe, focus, OK? Quand même pas pire. Ça va? OK, on revient. Fait que, bref, je parle un peu, puis ensuite, un peu plus bas, dans mon texte, qu'est-ce que je dis? Je dis, dans un plan qui mesure en moyenne 2 à 3 mètres, il y a un seul épi de maïs, parfois deux, mais c'est rare, en fait, qui sera à maturité. Je dis, ça fesse quand tu penses qu'il y a toujours un membre de ta famille qui est fier de dire, moi, je mange 12 blés d'Inde de la shot. Fait que quand tu visualises que tu es en train de manger 12 plants de blé d'Inde, parce que dans chaque plant de blé d'Inde, il y a seulement un blé d'Inde, le deuxième arrive rarement à maturité. Fait que tu, là, tu te dis, hey, au Québec, là, si, exemple, on mange 5 millions de blé d'Inde, ça prend 5 millions de plants pour pouvoir, en fait, nourrir juste, en fait, les Québécois. Fait que c'est pour ça que je demandais, toi, combien de plants est-ce que tu as mangé, en fait, durant la saison du blé d'Inde? Ça fait ça, Maria, comme statistique? Fait que c'est vraiment des choses surprenantes comme ça qu'on peut suggérer vraiment là, l'interaction. J'ai eu beaucoup de commentaires. J'ai dit, I would never look at another blé d'Inde with the same eyes. Exactement. Le prochain, on appelle ça les trends, les tendances. Donc, avec TikTok, c'est quelque chose de très, très, très populaire. Un trend, une tendance, c'est comme un mouvement. Là. C'est comme tout le monde se fait à faire une danse, tout le monde se fait à faire une vidéo. Je prends l'exemple de Gangnam Style. Gangnam Style, là, il y a genre comme quasiment 10 ans déjà, ça a été ultra, méga populaire, cette affaire-là. Tout le monde, en fait, imitait, tu sais, cette affaire-là. Donc, moi, j'ai décidé d'en faire un, en fait, avec mon linge en microfibre, inspiré, tu sais, de TikTok directement, qui a été un trend, une tendance que j'ai décidé de réutiliser à mon avantage. Wipe it down, wipe. Fait que aussi simple que ça, que de reproduire une vidéo, de l'utiliser à notre avantage, j'ai intégré un produit pour parler en fait des linges en microfibre. Ça a tellement été populaire, il n'y en a plus de ces linges-là déjà. Donc, le trend. Ensuite, on continue. Les mimes drôles. Un mime, qu'est-ce que c'est? C'est une image qui exprime une idée, qui exprime quelque chose de drôle qui, quand tu le regardes, tu fais comme, tu prends le temps de l'analyser, c'est comme, oh my God, je comprends tellement. Ça, c'est pas les posts que vous allez avoir le plus de commentaires, c'est les posts que vous allez avoir le plus de réactions parce que ça va faire rire les gens. Comme ici, ça parle de lui-même, j'ai même pas besoin de l'expliquer. Kinder Surprise, en bas, clairement, c'est comme ça que tu vas avoir des abdos. Fait que je vous en ai sorti quelques-uns pour vraiment que vous compreniez c'est quoi un mime. Vous pouvez appeler ça un mime ou un mémé. Les deux mots, en fait, sont acceptés, OK? Quand tu n'as pas de barbecue, fait que tu prends tes boulettes puis tu mets du Sharpie, en fait, pour imiter, en fait, ton barbecue. Ou quand tu n'as pas de teinture aussi. C'est bon, hein, quand tu n'as pas de teinture. Le prochain, j'ai marqué l'objectif ici, c'était de faire des brioches à la cannelle. Hey, ça a de l'air bon, hein? Ça a de l'air appétissant. Mais comprenez-vous que je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose, on comprend tout. Tout est en fait dans le dessin, tout est dans l'image. Et là, je l'ai même sorti. Les parents de ma blonde viennent ce soir, ils sont italiens. Je crois que je vais les impressionner avec ça. Hein, Maria, à vous, hein? Donc, l'objectif est vraiment de rire pour aller chercher de l'interaction. Ça, c'est super bon des fois pour avant un encan parce que ça va faire réagir beaucoup les gens. Ensuite, une autre catégorie, on appelle ça répondre à une question, en fait, de, moi j'appelle ça une question GBS, une question courante. Fait que, exemple, c'est que tu prends une question puis tu vas l'expliquer en live ou à l'aide d'un post, OK? Comment fonctionne le micro-ondes? Quelles sont les céréales sans gluten? Fait que là, tu peux parler du mot sabot. OK? S-A-B-O-T qui est seigle, avoine, puis là, genre, je ne me souviens plus de tous les autres, là. Fait que, tu sais, c'est pour expliquer les céréales avec gluten, sans gluten. Comment débuter des semis à l'intérieur? On va se le dire, on parle de jardin, on parle de légumes, on parle d'intellifraies, c'est logique. Quel fruit, quel légume je peux donner à mon chien? OK? Qu'est-ce qui se congèle ou pas? OK? De l'ail, par exemple. Quel est le meilleur prix pour des viandes? Ou meilleur avant versus périmé? Ça, ça serait une super question que je pourrais prendre le temps de répondre sur mon groupe. Ensuite, prochain thème, on appelle ça derrière les projecteurs. Vous allez souvent entendre « behind the scene », OK? Donc, de vraiment montrer, tu sais, comment, avant de vous installer pour un live, ça ressemble à quoi? Après un live, mettons, avec votre montagne de vaisselle, par exemple, ou quelque chose comme ça. Les gens aiment ça, voir le « behind the scene », voir comment vous êtes installé. Donc, j'allais rechercher un post que j'avais au début de la pandémie.
Et bien évidemment, les annonces, on appelle ça un shout-out en anglais, d'annoncer que tu vas faire quelque chose. Donc, d'annoncer que demain, il va y avoir un encan en ligne, d'annoncer que tu vas faire un live. Fait que vraiment, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne un rendez-vous avec ta clientèle. Donc, là, vous avez l'idée des nouveaux posts. Maintenant, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Comment est-ce qu'on bâtit ça, une grille horaire? Là, je vais vous montrer ma grille horaire. Est-ce qu'elle respecte toutes les couleurs que j'ai mis là? Non, parce que moi, la mienne, ça fait un bout, en fait, qu'elle est construite. Mais je veux vraiment vous donner le visuel pour que vous puissiez voir ça ressemble à quoi, moi, seulement sur mon groupe VIP, du jeudi au mercredi. Moi, j'ai décidé de faire 10 posts par jour. Mais moi, ça, sur quoi je veux attirer votre attention, c'est ça ici. Voyez-vous la diagonale? Pourquoi la diagonale? À cause de ça. Pourquoi est-ce que je veux avoir une diagonale sur certains thèmes qui sont récurrents? Parce que les gens ne sont pas connectés tous en même temps sur Facebook. Les gens, en fait, viennent consommer leur information à différents moments. Donc, quelqu'un là, qui vient jamais à 6h30 là, sur Facebook, elle vient juste à 12h30, bien, ça se peut que ma recette de 6h30 du matin, elle ne la voit jamais, tout simplement. OK? Donc, c'est pour ça que je veux répartir, OK, de manière le plus équitable possible, à différentes heures, un même sujet. Donc, moi, vous voyez, là, dans mon groupe, là, il y a beaucoup de recettes. Donc, ça, qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça de la récurrence, OK? Donc, juste avant de parler de récurrence, je veux vous parler comment est-ce que vous pouvez aller voir ça, cette récurrence-là, puis cette affluence-là sur votre groupe, OK? Donc, quand vous êtes dans votre groupe VIP, vous allez aller, en fait, dans la colonne de gauche, que ça, vous avez, vous, en tant qu'administrateur. Vous allez descendre complètement en bas et vous allez aller dans la section statistiques, OK? Donc, ça, vous pouvez explorer, mais nous, on va aller dans la section engagement. Et quand je clique sur engagement, qu'est-ce qui est vraiment le fun? C'est que je peux voir combien de publications j'ai faites, OK, en fonction du temps choisi. Combien il y a eu de commentaires, combien il y a eu de réactions, puis je peux même voir toutes. Donc, les pourcentages aussi qui sont là. Je peux voir, en fait, le nombre de membres en ligne, mais qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est un peu plus bas, vous avez les jours d'affluence et les horaires d'affluence. Donc, moi, je sais dans mon groupe, c'est quoi le jour, en fait, le plus, où est-ce qu'il y a le plus de monde? C'est le vendredi parce que j'ai mon encan. Fait que, tu sais, tu as même des petites bulles qui te donnent de l'information pour, en fait, savoir. Et là, pour vous montrer que ça modifie, je vais remonter en haut, puis là, j'étais les 28 derniers jours, mais là, je vais aller sélectionner, regarder les 60 derniers jours pour vraiment voir mon groupe, comment il réagit depuis 2 mois. Donc, là, je vois les publications, je vois les commentaires, je vois les réactions, puis je vois tous, j'ai 222 publications, 1615 commentaires, 1800 réactions. Donc, ça me dit, est-ce que ça va bien? Est-ce que je t'en baisse? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? OK, pour essayer d'analyser. Et plus bas, comme je disais, les jours d'affluence, c'est toujours le vendredi, mais qu'est-ce que j'aime? C'est à droite, l'horaire d'affluence. Vous pouvez aller sélectionner en fonction de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Fait que regardez, le lundi, je le sais que c'est 8h et 14h que j'ai le plus de temps branché. Fait que si j'ai 2 posts vraiment que je sais que c'est ça que je veux que les gens voient, bien, je vais venir les planifier en fonction de ce moment-là. Fait que ça va m'aider à choisir mes heures pour ma grille vierge. OK? Donc, vous pouvez prendre le temps de le regarder chaque jour. OK? Donc, comme je disais, du lundi jusqu'au dimanche, vous allez voir des pics, vous allez voir des gros pics, vous allez en voir des tout petits. Ça se peut que vous remarquez qu'une journée, votre groupe n'est vraiment pas actif, c'est correct. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu postes. Il faut quand même que tu continues à poster. Et juste en dessous, ça, j'ai adoré ça, vous pouvez aller consulter la section publication. Donc, vous pouvez regarder toutes les publications que vous avez mises. C'est quoi la couverture? Donc, la couverture, c'est-à-dire le nombre de gens qui l'ont vu et les interactions. Mais si vous voulez voir vos meilleures, regardez vos meilleures publications puis analysez. Ça, c'est une publication de vente, c'est une publication de type don, c'est une publication de type recrutement pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le plus sur votre groupe puis tenter d'imiter le plus possible, en fait, vos posts. Donc, comme je disais, il y a des thèmes, moi, dans mon horaire qui sont récurrents. Donc, moi, sur mon groupe, j'ai décidé de mettre en lumière des recettes. Donc, les recettes, là, j'ai 10 posts par semaine que c'est des recettes. J'ai 10 posts par semaine que c'est du recrutement. J'ai 16 posts par semaine que c'est sur les produits. Puis, tu sais, un produit, ça peut être autant de la vente que ça peut être un live, que ça peut être une présentation de produit, que ça peut être lié à une recette. Et j'ai à 4 reprises des astuces culinaires. Donc, choisissez-vous dans la gamme, en fait, qu'on vous a proposée. Je vous dirais, là,
3 à 5 thèmes qui vont être récurrents, que vous allez pouvoir mettre vos énergies là-dessus, que ça, vous le savez, que vous aimez ça, faire ça, puis que ça va vous aider à construire plus facilement, en fait, les posts sur votre groupe. Le live. Parce qu'on le sait, c'est pas tout le monde qui en fait, OK? On vous encourage à en faire. Vous avez un choix à faire lorsque vous faites des lives. Vous pouvez y aller, en fait, avec des lives qu'on dit à l'improviste ou des lives fixes, OK? Si vous décidez, en fait, d'y aller avec des lives fixes, qu'est-ce qui est le fun? C'est que ça va augmenter la fidélité de votre clientèle parce que ça va créer un rendez-vous comme à la télévision, OK? Les gens, ils savent que le lundi, c'était genre Unité 9. Bon, je sais que ça fait 1000 ans que c'est probablement plus à la TV, là, mais c'est comme ma dernière référence qui existait de la télévision, OK? Mais ça, c'est ce que ça fait. Comme moi, dans mon horaire, le vendredi midi, je suis toujours en live sur ma page pro. Les gens le savent et les gens me le disent si je ne suis pas là, OK? Donc, ça augmente la fidélité de votre clientèle. 3, ça permet d'automatiser des publications d'annonces. Fait qu'imagine que tu as 3 posts que tu veux faire une annonce. Hey, demain, je vais être en live. Ou cette semaine, je suis en live. Qu'est-ce que je devrais publier? Donc, ça réduit le nombre de posts que vous avez à créer parce que vous savez déjà que vous avez 2-3 posts que vous devez créer en format d'annonce pour annoncer votre live. Fait que tu sais, ça vient déjà bloquer quelques cases, en fait, dans votre horaire. Et 4, la seule chose que je veux te dire, si tu décides de faire un live fixe, OK? C'est pas seulement un engagement envers toi-même que tu prends, c'est un engagement envers ta clientèle. Assure-toi de le respecter parce que les gens, c'est ce qui augmente en fait le lien de confiance que tu es capable de dresser avec ta clientèle. Mais là, ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses un post, là, OK? Puis le post, il pogne comme pas possible. C'est comme celui-là que j'ai fait cette semaine, OK? Donc, mon post, OK? J'ai eu, en fait, je me souviens plus combien, 51 commentaires. Et je capotais. J'ai une question. Quand tu dis, regarde, tu parles de, tu t'annonces ton live de vendredi midi. C'est oui. Un événement. Comment tu fais ton annoncement? Oui, OK, parfait. Il y a différentes manières de faire une annonce. Je pourrais créer un événement. OK, donc quand je fais mon atelier interactif, moi, je crée un événement 72 heures à l'avance. Ça fait une première annonce. Deuxième, ça va vraiment être, mettons, un petit live vite, exemple, mettons, 30 minutes avant que je vais dire sur mon groupe, « Hey, salut gang, dans 30 minutes, je vais être en live sur ma page pro, je vous ai mis le lien juste au-dessus, venez me rejoindre à midi. » Donc, et ça, c'est une idée. Puis tu le diffuses où ça? On s'en va live dans 15 minutes ou dans 30 minutes? Sur mon groupe privé, parce que qu'est-ce que je veux? Comme moi, je fais mon live sur ma page pro, je m'en vais en live sur mon groupe privé pour ramener les gens vers ma page pro, étant donné que ce n'est pas sur la même plateforme. Mais si tu le fais sur la même plateforme, tu peux, une heure et demie avant, OK, faire « Hey, salut gang, regardez, je suis en train de préparer en fait mon stock pour l'atelier qui va se passer dans une heure et demie sur le groupe ici. Manquez pas ça, OK, donc on va cuisiner telle affaire. » Donc, il y a différentes manières de le faire. Fait que je pourrais le faire en live. Je pourrais faire un post, juste aller me chercher une affiche, mettons, qui est marquée live avec Canva ou sur Google, puis publier, dire « Alerte, 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 j'ai décidé de m'en aller en live à telle heure. Donnez-moi vos suggestions d'idées, recettes que vous aimeriez que je fasse. » Donc, ça, c'est une annonce pour annoncer que je veux m'en aller en live, puis là, je veux savoir qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse. Ou, je m'en vais en live, je vais cuisiner telle chose, donc je l'annonce que je m'en vais en live. Okay. Combien, juste pour, parce que je sais que tout le monde a les mêmes questions, combien de pubs avant le live? Moi, j'ai décidé d'en faire, dans le fond, je vous dirais, c'est en fonction peut-être des heures. Donc, moi, ce que je suggérerais, en fait, une demi-heure avant, OK? Une heure et demie avant, puis ensuite, 12 heures, 24 heures, 72 heures. Fait que jusqu'à peut-être 4-5 publications qu'on peut aller d'annonce, en fait, avant d'aller en live. Puis là, tu n'as pas le choix de le faire. Oui, et c'est ça. Okay? Merci beaucoup. Je reviens en fait sur exemple, mettons que tu as un post qui est populaire. Fait que tu sais, tu as planifié tes 5, 8 ou 10 posts dans ton horaire, mais là, tu as un post comme ça qui pointe. 51 commentaires, tu ne veux pas le tuer parce que dès que tu repostes, ce post-là, il tombe en deuxième secondo. Tu sais, il est comme, il n'y aura plus de visibilité, c'est l'autre. Puis ça se peut que l'autre, il ne convertisse pas autant. Fait que mettons que tu as un post là, qui convertit. Tu vas aller en fait à gauche, tu vas aller dans « Publication planifiée » et ton prochain post, tu vas aller le changer
Parce que tu ne veux pas couper l'herbe sur le pied de ton poste qui est en train d'avoir de la visibilité puis qui convertit, que Facebook est en train de publier à plein de monde, en fait, que peut-être qu'ils ne voyaient plus tes posts. Donc, tu peux aller, en fait, sélectionner et modifier, en fait, l'heure du prochain post. Fait, qu'est-ce que tu peux? Tu peux tout simplement le changer d'heure, le mettre, en fait, une heure et demie plus tard ou l'envoyer même le lendemain. Tu peux changer la date ou l'heure, en fait, de ce post-là parce que, comme je dis, tu ne veux pas couper l'herbe sous le pied à ta publication qui est en train d'avoir full visibilité. Donc, je veux, en fait, le mettre plus loin pour, en fait, maximiser celui qui est en train de convertir. OK. J'ai une autre question. J'ai une autre question. Oui. Tu programmes tes posts avec Cinshare ou avec Facebook? Moi, je programme à l'entièreté les posts dans Facebook parce que je veux m'assurer d'avoir le maximum de visibilité. Puis étant donné que c'est tous des posts, moi, qui sont à 100%, je vais dire, créés de ma tête, je vois pas l'utilité en ce moment d'utiliser Cinshare. Par contre, pour mes posts d'annonces, de live, ça, je peux utiliser Cinshare parce que c'est toujours la même chose, toujours aux mêmes heures. Mais si c'est toujours du contenu nouveau, il n'y a pas, en fait, à mon sens, il n'y a pas d'avantage d'utiliser plus Cinshare que de Facebook. Avec Facebook, je m'assure d'avoir la visibilité maximale. Merci. Thank you. Good. Fait que pour ça, ensuite, qu'est-ce qui me reste? Oh, ça, c'est bon, on vient de le voir. Fait que en bout de ligne, c'est tout simplement ça. Donc, ce que je voulais vraiment voir avec vous, c'est vous donner la grille horaire, vous montrer les nouveaux thèmes, voir que vous allez avoir cette grille horaire-là, avoir en fait toutes les idées de posts et que vous avez en ce moment un choix à faire. OK? Est-ce qu'on a la fiche ou en fait du défi, je ne sais pas, ou sinon je l'ai à 30 secondes. Martine, je l'ouvre, je vais vous afficher ça à l'écran. On a un défi? On a un défi pour vous. Alors, voici notre défi. C'est notre défi en fait pour la grille horaire. Quel est ce défi? Établis ton horaire hebdomadaire avec le calendrier. Attends, il y a un feedback sur le Zoom. Il y a un feedback. Un, deux. Attends, il y avait un micro de quelqu'un d'ouvert. Merci, la gang, parce qu'on est plusieurs à contrôler le... Hey, on est rendu 823. Non, mais... Wow, and a winner chicken dinner! OK, excuse, Jean-Philippe, parce que je vais être sûre de... Moi, je t'écoute pour vrai, là, OK? Alors, vas-y, mon amour. Donc, le défi qu'on vous lance, qu'est-ce que c'est? Ça va être d'aller chercher, en fait, le document. OK, on va vous dire où est-ce qu'il va être, là, un peu plus loin dans la réunion. D'aller chercher le document de l'horaire, donc avec toutes les idées de pause qu'on vous a sorties, et de bâtir votre horaire qui va devenir votre horaire, en fait, inébranlable de pause à chaque semaine. Donc, cet engagement-là que vous avez envers vous de faire votre horaire. Donc, vous devez avoir un minimum de 5 posts par jour. Donc, c'est 5 à 10 posts. C'est vous qui déterminez les heures. C'est vous qui déterminez, en fait, les types de publications que vous allez mettre dans votre horaire. Et c'est de dresser votre liste. Et sur effectif de vente, sur le post du poster, dans les commentaires, vous devez prendre une capture d'écran de votre horaire et de venir la publier. Donc, c'est ce qui prouve votre engagement envers vous-même et envers votre groupe VIP et votre clientèle de votre horaire inébranlable de post pour assurer votre visibilité. Et lorsque c'est fait, vous vous méritez un emballage surprise de 100$ de Tupperware pour 25$. Donc, et voilà, selon moi, tout le monde, les 800 qui sont là peuvent réaliser le défi aujourd'hui parce que c'est un défi qui est simple et c'est là que tu vas dire « Yes, je prends un engagement envers mon groupe VIP. » Wow. OK. Mesdames et messieurs, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous avez pris comme note, mais je veux juste que tu saches, Jean-Philippe, à mesure que tu parlais, moi, j'écrivais à Marie-Pierre, mon autre cerveau, là. Puis c'est clair qu'avec une présentation comme tu viens de faire, on va changer complètement notre trajectoire. Un, pour la dernière semaine du mois. Attends, je vais faire mon Maria. Excusez si je vous ai rendu sourd. Et deux, peux-tu imaginer avril juste avec cette formation que tu viens de nous donner? Encore une fois, c'est la même information for everybody. La question, c'est est-ce que tu as un objectif assez audacieux pour prendre qu'est-ce que Jean-Philippe vient de dire et t'en servir pour t'amener au prochain niveau? Because at the end of the day, that's what it's about, right? Alors, Jean-Philippe, de la part de toutes nous, tout simplement, wow, merci beaucoup de cette présentation, pas seulement inspirante, mais surtout de m'avoir outillé pour réussir ma fin de mois. Une bonne main d'applaudissements de la part de tout le monde. Wow!
I love it.